Le business, c'est sûr, faut dire que c'est compliqué. Mais des fois, il y a des moments où j'ai envie de dire que ça ne l'est pas. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer que ça ne l'est pas. Et beaucoup disent que TikTok, c'est que pour les jeunes. Que c'est un réseau, la moyenne d'âge, c'est 16 ans, 13 ans, 11 ans. Que c'est que des filles qui dansent en se montrant. Que c'est que des jeunes qui font des covers, des playbacks à 2 balles. Mais moi, je vais vous montrer qu'avec TikTok, on peut gagner quand même beaucoup d'argent en faisant un business qui n'est pas dur. C'est la promesse de ma vidéo ? Ouais, c'est la promesse. Et on va voir ensemble un nouvel exemple concret. Comme je vous en ai montré beaucoup sur ce réseau, mais aujourd'hui c'est vraiment quelqu'un qui n'y connaît rien en business digital. Pourquoi ? Parce qu'il a même pas de site. On voit ça tout de suite. Vraiment top sa vidéo. Franchement, il a du talent, il est fort et il a su prendre le bon réseau pour montrer ça, TikTok. Ouais, parce que s'il faisait ça sur YouTube demain, je pense pas qu'il ferait plus de 20, 30 vues. Ça m'étonnerait qu'il fasse beaucoup de vues. S'il mettait ça sur Instagram, il prendrait pas, c'est sûr. Il y a sûrement ses amis qui vont liker ça. Par contre, sur TikTok, c'est un réseau qui peut te mettre en avant justement ce type de création, des trucs tape à l'œil, parce que vous allez regarder la vidéo plein de fois, c'est addictif, on a envie de voir comment c'est fait. Du coup, TikTok, il voit bien que vous restez longtemps sur la plateforme et il met en avant la vidéo du créateur. Alors, je vais vous expliquer un tout petit problème avec ça, d'emblée. C'est que ce créateur a eu trop de chance dès le début, sans difficulté. Et c'est ce qui va peut-être causer sa perte, je l'espère pas pour lui. Pourquoi je dis ça? On peut voir, donc là, je suis sur mon téléphone avec vous, on peut voir que la dernière vidéo qu'il a mise, elle a 2,6 millions de vues. C'est celle que j'ai découverte de lui. On regarde, 17 000 vues, 14 000, deuxième ligne, 867 000 vues. C'est énorme. Toujours en parlant de ses créations. Hein. Essayer de faire des millions de vues, des centaines de milliers de vues en parlant spécifiquement de votre produit, c'est compliqué. J'arrive pas à faire des millions de vues en montrant comment sont fait fabriquer nos rampes de skate, etc. Des fois, j'en fais des dizaines de milliers, mais j'en fais pas des centaines de milliers ni des millions. Donc, il est très fort. 7 000 vues, 14 000, 13 000, 1 million 3. Encore une vidéo là. Celle-ci. 164 000 j'aime. Et on peut voir dans les commentaires, c'est ultra stylé, j'en veux un. Tu ne veux pas en vendre. C'est que les top com, ça, vous voyez le nombre de likes. Donc, c'est ce que les gens voient tout de suite. Et moi qui fais la même vidéo avec 30 vues, bon, ok. On voit, tu peux montrer comment tu as coupé le baril pour faire la porte. Comment passer commande? Ce que je vois dans ces commentaires, c'est deux choses. Premièrement, il y a beaucoup de gens qui veulent commander. On le voit tout de suite dans les top commentaires. C'est rare quand vous avez comment on commande, je veux l'avoir, j'en veux un, etc. Deuxième chose, je vois beaucoup de questions sur comment tu fais ça. On sent que les gens veulent essayer de le faire aussi. Donc à ce moment-là, tu as deux possibilités. Et moi, je pense que j'exploiterai les deux. D'une part, tu peux commencer à vendre ton produit, donc vendre ton baril sur un site. Pour cette partie-là, on peut voir qu'il s'est bougé un petit peu, mais pas beaucoup. Il n'a pas appris à faire un site web. Il a mis son adresse email dans la bio de son TikTok, comme vous pouvez le voir, et il a mis DM Insta aussi pour plus d'infos. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, sur le début de la vidéo que vous avez vu avant, il a reçu des centaines de demandes, juste avec une ou deux vidéos qu'on perçait. C'est énorme, parce que ces barils n'ont presque pas de prix, vous pouvez le vendre un peu au prix que vous voulez, vu que ça se customise vraiment de manière sur mesure. Vous pouvez mettre des tiroirs où vous avez envie, vous pouvez mettre le design que vous avez envie, avec la matière que vous avez envie. Si on regarde sur internet, ça va de 200, 300, 400 euros, il y a un peu de tous les prix. Vous pouvez facilement vendre un beau baril à 700 à 600 euros. C'est quand même du high ticket. Donc des centaines de commandes comme ça, c'est génial, juste avec des vidéos TikTok sans payer un seul centime de pub. Il n'a rien dépensé. Il n'a pas commencé sa communauté il y a 10 ans sur YouTube. Il a commencé TikTok juste maintenant et il y a des centaines de personnes qui veulent payer ses barils. Et il est en train d'en réaliser un pour un client. On va y revenir. Deuxième chose que je vous disais dans les commentaires que j'ai repéré. Donc la première, c'était ce produit physique qu'il peut vendre parce que les gens veulent en acheter un. Deuxièmement, les gens lui demandent des conseils. Quand les gens demandent des conseils, c'est que les gens veulent le réaliser eux-mêmes, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils demandent. Vous pouvez créer une formation. Je suis sûr que si demain, il tournait une vidéo pour expliquer ses techniques, pour le faire, comment il découpe ça, comment il le fait, quelle écriture il choisit, quel pinceau, j'en sais rien, j'y connais rien à cette niche, il explique tous ses tuyaux, s'il a envie de le faire, il va pouvoir vendre des formations et il pourrait mettre un lien dans sa bio. Découvre ma formation complète pour customiser ton baril. En faisant du contenu comme ça tous les jours, il en vendrait des tonnes. C'est sûr à 100%.
Et rien ne l'empêche de faire sa propre boutique, ça serait cohérent parfaitement, et il vendrait ses barils designés avec sa propre créativité. Et ça conviendra à tout le monde, il y a des gens qui ont envie de s'y mettre, qui ont envie d'essayer, ça se voit, ils pourront payer la formation et essayer eux-mêmes, parce que c'est pas eux qui vont acheter le baril, vu qu'ils ont envie de le faire eux-mêmes. Et les gens qui n'ont pas envie de bricoler ou qui n'ont pas envie de le faire du tout, qui sont juste fascinés par ce qu'il fait, et bien ils vont pouvoir payer son baril sur le site. Il aurait son offre digitale et son offre physique. Et donc avec son compte TikTok qui va drainer du trafic, il commencerait à avoir un petit écosystème. Faudrait vraiment qu'il se mette sur YouTube et ça serait parfait. Et là où on peut dire que, bah oui c'est facile. Sincèrement, son business il a été facile. Avec le recul, il doit pas se dire qu'il a galéré. Mais là où il a bien commencé, c'est qu'il a un talent. Pas forcément un talent, mais en tout cas, il a développé une expertise dans un domaine. Il a passé du temps dans sa vie sur quelque chose. Peut-être que c'est ses facilités, il a appuyé dessus et c'est génial. Maintenant, il peut partager des choses et il peut gagner sa vie avec. Et vous pouvez tous le faire dans un domaine. Ou vous pouvez tous vous associer avec quelqu'un pour le faire. N'importe qui pourra aller démarcher ce mec-là et lui dire « Bah écoute, je vois que t'as pas de site internet, tu sais peut-être pas faire du marketing, mais moi je te fais ton site Shopify, je te fais tout le reste, alors soit vous lui vendez une prestation, mais je vous conseille pas, vous faites 50-50 avec lui. Il a le talent, il a commencé TikTok, bah montrez-lui comment faire YouTube, montrez-lui comment faire Instagram, faites le site internet, faites les tunnels de vente, faites une offre gratuite pour collecter des emails, envoyer des emails, etc. Enfin, tout le reste, il y a beaucoup de taf à faire, sans compter les publicités sur Google Shopping, etc. Alors, j'ai tapé baril, il y avait plein de publicités sur Google Shopping, donc beaucoup de choses à faire. Mais quand vous n'avez pas de compétences, quand vous ne voulez pas vous montrer sur les réseaux, vous pouvez trouver quelqu'un qui a une expertise et le faire. Et créer un business de ce genre, tout seul ou avec quelqu'un, c'est vraiment ce que je vous apprends à faire, que ce soit sur YouTube avec des conseils gratuits et surtout dans les programmes avec Système 49 ou avec le coaching Système 49 Premium. C'est ça vraiment que je vais vous inciter à faire. Parce que ça va vous tenir dans le temps comme business, vous allez avoir une bonne expérience client, vous n'allez pas avoir des revenus instables et surtout, vous allez kiffer. Vous allez kiffer vraiment. Et quand on kiffe, on l'emmène loin le business. Et comme je disais au début, c'est peut-être pas une bonne nouvelle que c'est allé si vite pour lui. Parce que la plupart des gens qui ont des montées beaucoup trop rapides ne savent pas la chance qu'ils ont. Et ils gâchent tout. Ça arrive très souvent et c'est vraiment dommage. Parce que monter sur TikTok comme ça avec des vidéos aussi rapidement, c'est pas donné non plus à tout le monde. Il a eu un petit peu de chance que ses vidéos soient mises en avant. Même si avec le contenu qu'il fait, ça aurait forcément été mis en avant à un moment ou à un autre. Mais vu que c'est allé vite pour lui, qu'il lance 1, 2, 3 vidéos, il a des centaines de commandes, il se dit waouh, ça va trop vite. Donc là, il prend son temps. Il a pas republié de vidéos depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Il est fou. Il devrait mettre une vidéo par jour. Et il devrait se tuer à essayer de déléguer et grossir son entreprise. Après, peut-être qu'il faisait ça par plaisir, qu'il a pas du tout envie de développer une entreprise là-dedans. C'est possible. Mais je m'adresse à vous. Ceux qui regardent mes vidéos, moi y compris, on est là pour créer des business, on a envie de développer des business en ligne, faire quelque chose de grand, qui va nous permettre de voyager, d'être indépendant, de faire ce qu'on veut, juste notre ordinateur et notre business, et on s'amuse. Et c'est peut-être pas sa vision, donc peut-être que c'est aussi pour ça. Mais souvent, c'est que ces gens-là se démotivent. Ils se disent, bon, j'ai ça de côté, je sais que ça fonctionne super bien, je reviendrai dans 1 ou 2 ans s'il faut pour refaire ça. Mais non, c'est une énorme erreur. Énorme erreur. Sa chance, elle est maintenant, il est mis en avant maintenant, ce sera peut-être pas le cas demain. Parce qu'il y aura peut-être plein d'acteurs qui vont se mettre en place. Peut-être que le réseau va évoluer, il va être de plus en plus saturé. Peu importe, il ne faut jamais louper une chance pareille. Ma question pour vous dans cette vidéo, c'est avez-vous une expertise? C'est quoi votre plus grande expertise? Où est-ce que vous avez passé le plus de temps dans votre vie? Est-ce que c'est à faire du tennis quand vous étiez petit? Est-ce que c'est à jouer aux jeux vidéo? Est-ce que c'est à aller faire du running? Dites-moi, c'est quoi votre plus grande expertise? Peut-être les échecs, un jeu de société, peu importe. J'aimerais savoir dans les commentaires ce que c'est. Ce que je vous fais, cette vidéo-là, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais sincèrement, j'y crois dur comme fer, c'est vraiment du bon contenu que je vous donne. Parce que je vous montre concrètement un mec qui part de rien, de zéro, juste son expertise, il dépense pas un centime, il met ça en ligne, il utilise les réseaux, les opportunités du jour, il publie pas ça sur Instagram. Oubliez Instagram à faire des vidéos tous les jours dessus, ça sert pour autre chose Instagram. C'est utile, mais pas pour créer une audience énorme. TikTok, vous pouvez monter dessus. Et je veux même pas entendre vos objections de « oui, c'est pas assez professionnel pour moi » ou « je suis trop haut de gamme pour TikTok » ou « j'en sais trop rien ». Oubliez, vous avez tort dans tous les cas sur TikTok, je vous assure. Et c'est encore un exemple sous vos yeux. Et vous l'avez bien vu, le public visé pour son produit, ça peut être n'importe qui. Des jeunes, des plus vieux, peu importe. Donc j'espère que vous vous rendez compte des exemples que vous avez sous les yeux. Ça devrait vous motiver. Passez à l'action, bougez-vous parce que il y a tout à faire, c'est devant vous. Si vous avez kiffé cette vidéo, et surtout si vous en voulez d'autres, parce que j'en ai plein des exemples comme ça à vous montrer, j'adore en chercher pour vous, likez cette vidéo et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous, j'ai envie que le nombre d'abonnés il grossit, j'ai envie que les vues elles montent et que les likes ils montent et tout ça. Il faut le faire en même temps à chaque fois, activer la cloche pour que YouTube il me monte aussi. Et moi je vous prépare déjà d'autres sujets de vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Dans les premiers liens dans la description de chaque vidéo, vous avez Système 49 qui est mon programme qui est maintenant aussi finançable avec le CPF, avec vos droits de formation ou payable normalement. Merci à tous ceux qui me font confiance. Merci à ceux qui postulent aussi pour mon coaching et avec qui on développe des projets sur mesure. Pour t'abonner à la chaîne YouTube, c'est ici. Pour regarder de nouvelles vidéos, c'est juste là. Je te dis à très bientôt et à la prochaine !